Alors, pour parler de ce mois, on va commencer avec une petite exclusivité. Vous voyez, derrière moi, en fait, il y a le montage du décor du prénom. Et oui, on est en direct de la sucrerie et vous voyez comment se monte un décor de spectacle. Vous venez voir, vous, la pièce le soir, tranquille, mais toute la journée, plein de gens ont œuvré pour monter ce décor pour que tout soit nickel pour vous. Et pendant que nos amis techniciens montent ce décor, on va donc parler de ce mois de décembre pour bien finir l'année en beauté. On commence, une fois n'est pas coutume, par un concert de la belle saison, les transcriptions de Boccherini. Sonia Wider-Atherton et Françoise Rivalan vous proposent donc une transcription pour cordes de Boccherini, violoncelle, violon, basson, contrebasse et cymbalum. L'occasion pour les artistes de faire résonner l'expressivité et la virtuosité de ces parages. C'est donc à 20h30, le jeudi 5 décembre, au théâtre. ...qui va se dérouler précisément ici. Connaissez-vous bien les frères Grimm, non? Eh bien ça tombe bien, on va en apprendre un peu plus sur eux. Le vendredi 13 décembre, à 19h, à la bibliothèque, il y aura une conférence sur les contes de Grimm, du romantisme à Hollywood. Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge, Réponse sont entre autres des contes connus de tous. Walt Disney s'est emparé dans les années 30 de ces contes pour leur donner un nouvel écho. Denise Bouche aborde donc ces thèmes, tout en prenant soin de situer l'œuvre des frères Grimm dans le contexte culturel et littéraire allemand de la première moitié du 19e siècle. Évidemment, pensez à réserver vos places directement à la bibliothèque. Et quoi de mieux avant Noël qu'un petit concert de la chorale pour enfants de l'honneur Guizard? Nous vous donnons pour cela rendez-vous le mercredi 18 décembre 2019 à 19h au Théâtre Municipal. Cet opéra racontera une aventure fictive d'un des personnages les plus populaires du folklore brésilien. En partenariat avec la classe de percussion de Marc Bréau, Léonore Guizard mettra en scène et dirigera ce conte brésilien avec tout l'enthousiasme, la fougue et la passion qui l'animent. Et le 19 décembre, nous accueillons Chantal Latsou, mais le spectacle est déjà complet. Désolé. Et quoi de mieux pour bien commencer l'hiver qu'un petit ciné-bib sur l'hiver, justement, à la bibliothèque. Et surtout, n'oubliez pas le marché de Noël qui aura lieu du 6 au 8 décembre à Coulommiers, sous la halle au fromage. Voilà, un beau mois de décembre, donc, juste avant de passer les fêtes tous ensemble. Allez, on se dit à l'année prochaine.